C'est gros. C'est gros, les amis. Oh, les amis, c'est bon. Salut à tous, c'est Geekmap. J'espère que vous allez bien, car aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on est avec mon petit Caraï directement sur mon kayak. Sur mon kayak, ça fait plus d'un an que je ne l'ai pas sorti. On a galéré parce qu'on a dû faire aller-retour pour aller chercher une pompe parce que j'avais complètement oublié ma pompe. Et aujourd'hui, on est enfin ici. Il est 17h et on s'apprête à pêcher sur un kayak à plus de 20 mètres de profondeur, les potes. Donc je vous préviens, j'ai pris mon téléphone parce que mettre ma caméra à 3 000 € directement ici, c'est pas foufou. Au moins mon téléphone, s'il tombe, au moins il est waterproof. Enfin, j'espère. Et puis c'est parti, on se retrouve directement à Cassis. Regardez un peu cet espace avec la route des crêtes, un bateau qui vaut plus de 50 000 € et ma petite canne à pêche pour tenter de pêcher des gros poissons, les potes. N'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu en bas de cette vidéo si vous êtes chaud à ce que je fasse plus de vidéos avec mon kayak et aller partout dans des endroits à la mer pour potentiellement pêcher des gros poissons. Parce que là aujourd'hui, les gars, on est à plus de 30 mètres de profondeur, ça va pas être le même level que quand on va être en bord de mer. Bref, sur ce, on va s'équiper et on va commencer cette session de pêche, les potes. Allez hop, c'est parti. Pas les gars, on est en train de pêcher et c'est une pépite là. Là on est très bien, on est très très bien. Oh les gars, Caraïen, premier poisson. Oh, le premier poisson de Caraï. Oui. Oh là là, regardez ça. Comment il est beau. Regardez ça, son premier poisson, comme il est beau. Super. Il n'y a que de ça. Là, ça sera le plus petit poisson de cette vidéo. Est-ce que c'est bon pour toi ou pas? Dites-nous comment il s'appelle, ces poissons, en commentaire. Dites-nous comment il s'appelle, parce que là, on ne sait pas du tout comment ça s'appelle. Et on chope ça H24. Et ça va retourner à l'eau. Allez, salut, Mounier. Oh les gars, le deuxième poisson, une girelle. C'est une girelle. Oh mais il chope de tout. Regardez-moi un peu cette girelle. Comment elle est belle, la girelle. Oh les gars, ça fait actuellement 2 poissons. Regardez comment il est beau. Là franchement, ça fait même pas 10 minutes qu'on commence à pêcher qu'il y a déjà des poissons. Moi je peux te dire que là cette vidéo va être bien. Elle va être très très bien cette session, les gars. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Bon, puisque tu n'y arrives pas, regarde, t'as vu simplement. Ah, j'ai peur. Eh mon gars, t'as de combien, viens, moi je te cogne. Voilà, c'est bon. C'est bon mon poulet. C'est bon, on peut la libérer. Voilà. Allez, salut. Hop, ciao. Et ça fait 2 poissons pour moi, les gars. Mettre de bras là, Pierrot. T'inquiète, là j'en ai un là, regarde. Bon les gars, moi je fais un petit changement de technique, je peux vous dire. Oh, oh mais putain, mais tu fais que choper. Attends-moi un peu. Voilà. Oh là là, une nouvelle girelle. Une nouvelle girelle. Pas les gars, mais non, ça risque rien, tu le prends comme une perche. Parce que oui, en fait, je vous explique, il pêche pas beaucoup en mer. Lui, ce qui lui convient, tu vois, c'est un peu la rivière, un peu comme moi. Ah putain, Pierrot, j'ai peur de. Mais non, t'inquiète, tu le prends, tu la prends, prends-la et t'as pas peur. Ah, j'ai peur. Regardez ces couleurs de fou. Franchement, elle est trop belle. Allez, moi, je me fais une nouvelle ligne. J'ai chopé le poisson. Oh, je sais pas s'il est gros, mon ami. Mais c'est un poisson. Oh, une belle girelle, là. Regardez la petite girelle dorée. C'est pire qu'une carpe koi, mon copain. Regarde comment elle est belle. Papa. C'est beau. Allez les gars, on change de spot. On va aller un peu plus vers là-bas, si vous voyez. On va aller un peu plus vers là-bas. Je pense qu'on va avoir des beaux poissons. Allez, c'est parti. Bon les amis, ça fait actuellement une demi-heure qu'on pêche et Caraï a pêché au moins 3-4 poissons, moi j'en ai pêché seulement 1 ou 2. Donc comment te dire que pour l'instant la compétition est rude, mais ça va, on s'accroche et là on est dans un spot mais vraiment pas mal pour pêcher potentiellement des gros poissons, les gars. Là tu prépares quoi, mon poulet? Là j'ai sorti la gambas. Oh, 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 tout ça en direct, potentiellement le poisson. Ah, c'est le fond que j'ai. C'est le fond actuellement. Putain. Vive la pêche en mer. Poisson. Oh non. Ah si, il est là. Oh. Oh. Oh les gars, le poisson. Une putain de vieille.
Une putain de vieille, mon copain. Ah, elle est belle. Regardez ça. Putain que c'est beau. Alors c'est ça les gros poissons, mon petit carré. Je vais t'inquiéter, t'arrives. Pa, les gars, regardez comment c'est beau. C'est beau. Allez les gars, c'est parti, allez, salut. Ah. Oh, Poisson les gars. C'est bon. Regardez comment je l'ai chopé. Même pas à la bouche. Oh là 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 là. Ça, c'est avoir de la chance. Ça, vous voyez, ça, pêcher comme ça, c'est avoir de la chance. Mais bon, c'est des petits poissons. Oh les amis, on est en train de pêcher. Il y a Pika et Kevin, ils nous ont rejoints. Raconte-moi ton péripétie en 30 secondes. Je suis monté en kayak, mon iPhone il a fait boum, ploup dans l'eau. Ok. Je dis, non. Machine YouTube perdue, Twitter, Instagram, rien. Putain YouTube. Au moins j'ai retrouvé, c'est bon. Putain, et toi, t'as trouvé quoi? À 15 mètres de profondeur. À 15 mètres de profondeur. Pa. Le masque. Voilà. Il a récupéré ça à 15 mètres de profondeur, les gars. Pa. Nous, on continue à pêcher. Et on a vu un énorme truc juste là-bas. Et il y a notre petit caraï. Il s'est fait découper par le truc. Du coup, je tente la technique de la crevette décortiquée avec. Pa. Eh ben, bonne chance. Ténèbres. Bonne chance, mon ami. Regardez, les potes. Il a pris un palo. Il a pété. Hein? Le siège, il a pété. Il se prend des faciales de pajot. Regarde, là. Le pauvre. Il a pété le siège. Il est dans son cul. Mais relâche-le à l'eau. Mais refoule-le à l'eau, bordel. On va pas tarder à couler. Bon allez, on continue. Oh les gars, poisson. J'ai un poisson. Ah, ça a l'air de plutôt bien tirer là. À 30 mètres de profondeur les gars. Ah, un petit sard les potes. C'est beau les gars, un petit ça, putain, ça change un peu. Regarde-moi ça, pa, comment il est stylé. Bon, il est petit, du coup, on va le remettre à l'eau. Les gars, nouveau poisson. Nouveau poisson. Bon, c'est pas très gros. Mais déjà, oh. Oh, un petit pajot les gars. Regardez-moi ça, c'est pas mal ça. Pa. Allez, on va essayer de pas trop faire de mal pour que tu puisses repartir dans l'eau, mon loulou. Aïe! Bah, c'est du coup celui qui m'a fait mal, l'enculé. Allez, les gars, on le remet. Oh, les gars, on en parle que là, il fait plein soleil. Regardez. Là, il fait plein soleil, tout est nickel. Et là, on se prend des gouttelettes sur la gueule. Regardez-moi, là, ce qui arrive. Là, je pense que d'ici quelques minutes, je pense, on va encore essayer de pêcher 2-3 poissons. Et ensuite, je crois qu'on va arrêter cette vidéo parce que je pense qu'on va se prendre une grosse tempête en plein milieu de l'océan, les potes. En tout cas, j'espère que cette vidéo te plaît. Et n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu en bas de cette vidéo si vous voulez plus de vidéos. Kayak en mer, les potes. Ça dit de refaire un épisode 2 ? Carrément. Ah, ça, c'est bon. Bon là les gars, ça fait 2 heures qu'on pêche et on pêche des poissons, mais plutôt pas mal, mais pas de gros poissons encore. Franchement, on essaye à tout, on essaye au vert, on a pris des gambas, franchement tout mort, il y a tout qui mort, donc déjà ça c'est pas mal. Mais pour l'instant, on n'a pas de gros poissons, quoi. Pas de jolis poissons. Il y a Carré qui s'est fait casser par un gros poisson, mais on l'a pas eu, tu vois, donc c'est un peu galère. On va commencer à faire nuit et moi ce que je propose, on reste toute la nuit ici. Il y en a un qui est moins chaud. Parce qu'on est en 30 mètres de profondeur, il a peur. Ça te chauffe pas d'être là toute la nuit, genre? Non? Franchement, les gars, c'est un concept à faire, rester toute la nuit comme ça et voir si on peut taper des gros poissons. Donc n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu en bas de cette vidéo si vous souhaitez qu'on fasse, bien évidemment, une petite vidéo pêche comme ça de nuit sur un kayak en plein milieu de la mer. Bref, et puis sur ça, on va essayer de pêcher encore quelques poissons et potentiellement, j'espère, des gros poissons, les gars. C'est gros. C'est gros, les amis. Ah. Oh, les amis, c'est bon. Oh là là, le plus gros poisson de cette vidéo. C'est bon. Oh, les gars,
Regardez ce que j'ai pêché. Une putain de vive. En gros, c'est ce genre de poisson, si jamais tu te prends ça dans la main ou alors qu'elle te pique n'importe où, t'es mort. En gros, là me pique là, juste là. Je peux te dire que je gonfle au moins de 2. Donc maintenant, comment l'enlever? Je sais pas. Vivement que tu l'enlèves. Vivement que je l'enlève. Allez, salut! Bon, mais voilà les gars, le soleil est en train de se coucher. Dans à peine 15 minutes, il n'y aura plus d'éclairage. Ce qu'on va faire, c'est directement arrêter cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Et si vous souhaitez bien sûr un autre épisode où on fait de la pêche en kayak, en mer, pour potentiellement pêcher de gros poissons, parce que là, pour le coup, on a eu des bonnes touches, on a eu plein de touches. Pendant 2 heures, on a eu plein de touches, mais malheureusement, pas de gros poissons. Et d'ailleurs, n'hésite pas à me marquer en commentaire si tu connais des appâts qui pourraient être utiles pour pêcher des gros poissons quand t'es en kayak comme ça à 30 mètres de profondeur, ça peut être utile. Et puis sur ce, merci à mon petit Karaï d'avoir participé à cette vidéo. Et si tu souhaites bien sûr aller voir ma dernière vidéo, elle se retrouve juste ici. Pour t'abonner, c'est juste ici. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Geekman. Allez, bye tout le monde.